Les Matins de France Culture, 7h9h. Guillaume Merner. Dimanche prochain débuteront les élections municipales et les matins vont se pencher sur les enjeux déterminants qui ont marqué la campagne de plusieurs territoires de France. Nous sommes en compagnie du géographe Jacques Lévy. Bonjour. Bonjour. Et avec vous Jacques Lévy, nous allons faire un tour de France des municipales grâce à nos camarades de France Bleu, mais tout d'abord votre regard sur les municipales et leurs enjeux. Je pense que ce sera un, un moment d'affirmation euh, des sociétés locales, de, de, leur, de leur diversité. C'est un processus qui a, qui a commencé il y a longtemps déjà. Euh, je pense qu'une partie des médias et même de la recherche en sciences politiques s'était fourvoyée dans les années euh, 70-80 en parlant de nationalisation comme si euh, le destin irrémédiable de la vie politique euh, en France parce que ce n'était pas du tout mmh. le cas déjà ailleurs, c'était qu'il y ait un seul niveau pertinent qui, qui était le niveau national. Et euh, les faits ont, ont largement démenti cette hypothèse, c'est-à-dire qu'il euh, y a un épaississement, euh, une complexification des sociétés locales qui, qui font que, bien sûr, il peut y avoir une articulation avec les différents niveaux, local, régional, national, européen, mondial, mais avec une spécificité euh, de l'espace local qui s'est plutôt renforcée avec le fait qu'aujourd'hui, Merci. Euh, une des une des caractéristiques des sociétés locales c'est que les habitants beaucoup plus qu'avant ont choisi d'habiter là où ils habitent et donc il y, y a une interface entre les projets des habitants et puis l'existence d'une société locale avec un gouvernement local plus ou moins stable et plus ou moins cohérent mais mais cette interface elle, elle s'est profondément renouvelée c'est-à-dire que ce sont les habitants ordinaires qui font très largement euh, la spécificité la, la consistance d'une société locale donc c'est aussi de ce contexte-là, il me semble, qui marquera l'élection. Alors, on va voir immédiatement cela avec Sandrine Morin. Bonjour. Bonjour. Sandrine Morin, vous êtes journaliste pour France Bleu Occitanie. Vous êtes basée à Albi, mais vous couvrez le Tarn et euh, l'Aveyron, dans la campagne. À Albi et plus généralement dans le Tarn, tous les candidats ont caché leur étiquette politique. Oui, alors tout, c'est beaucoup dire, mais clairement, ça revient très, très régulièrement. Ne surtout pas dire que j'appartiens à, à un parti politique, ne surtout pas dire que je suis euh, soutenue par un appareil. Vraiment, la phrase qui revient, c'est mon parti, c'est ma ville, mm -hmm. et je n'ai pas d'étiquette. Euh, il y avait encore un débat il y a quelques jours où euh, la maire sortante d'Albi dit Moi, je suis la seule qui, pas, qui ne suis pas soutenue par un parti politique. On lui rétorque euh, Mais vous avez quand même euh, le soutien des républicains. Il dit oui, j'ai le soutien, mais surtout je ne l'ai pas demandé. Et puis il y a la candidate en face, plus à gauche, qui redit et a, 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 a souhait, j'allais dire, je ne fais partie d'aucun parti politique, je n'en ai jamais fait partie. Et clairement, on sent que pour elle, pour elle deux, mais aussi pour plein de candidats dans la campagne, c'est un vrai argument de campagne. Et alors qu'est-ce qui se passe par exemple dans la ville de carmaux? Bah, dans la ville de Carmo, par exemple, où on dit que le rassemblement national euh, pourrait prendre la ville, c'est une petite ville de 10 000 habitants, une ville euh, minière hein, où les mines ont fermé en 1997. Bah, par exemple, à Carmo, où le rassemblement pourrait prendre le, le, la ville, bah, le rassemblement a décidé de gommer. Hein. Maintenant, c'est devenu le rassemblement pour Carmo. Donc, même au niveau du rassemblement national, c'est compliqué et il faut le faire. Il y a une autre liste plus à gauche, et là, c'est vraiment atypique. C'est-à-dire que c'est une liste qui est qui euh, qui peut prendre la ville Clairement, elle fait partie d'un. Elle est née d'une association, d'un collectif, comme beaucoup de, de, de candidats. Hein. Beaucoup de candidats disent émerger de collectifs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie euh, pour cette campagne-ci qu'on qu voit partout et dans toutes les villes. Donc à Carmo, il y a un collectif qui a monté cette liste, et lui, vraiment, ils disent dans aucun de nos candidats n'appartient un parti politique, et c'est presque une ligne de conduite de. Cette cette liste et ce pourquoi elle se présente quasiment. Est-ce qu'il y a une influence, une conséquence des gilets jaunes, Sandrine euh, Sur les gilets jaunes, alors ils sont présents. On sent que justement dans ces listes citoyennes, convergence citoyenne, collectif pour Albi, ce genre de nom qu'on voit, il y a des gens qui ont émergé, qui ont été sur les ronds-points, qui qui se sont faits à la politique à ce moment-là. Donc clairement. Ils sont là. Après, euh, c'est presque comme si les Gilets jaunes étaient un parti politique, j'allais dire. C'est-à-dire mmh. que on fait partie euh, des Gilets jaunes, mais il ne faut pas le dire. Il faut, ne faut pas, faut pas euh, prendre la couverture à soi et prendre la couverture des Gilets jaunes. C'est-à-dire euh, s'approprier cette étiquette-là, je l'allais dire. Et puis il ne faut pas euh, tout masquer et, 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 et tout. Euh, tout boucher autour de ça. Donc, c'est vraiment un dosage dans ces listes citoyennes très fin et, et, et très malin, j'allais dire. Et puis, euh, enfin, quelle attitude par rapport à la République en marche, là aussi, dans ce territoire que vous couvrez, donc le Tarn, et, et l'Aveyron notamment, Sandrine Morin mmh. Ben, C'est compliqué hein, d'appartenir à, à la République En Marche. Il y a quand même, quand même des, des candidats qui disent qu'ils n'ont pas la République En Marche honteuse ou l'étiquette honteuse mmh. et donc qui revendiquent. Alors pour cela, la campagne, elle a été très difficile. Hein. La candidate d'Albi, par exemple, a eu le droit à plusieurs fois euh, sa, permanence, sa permanence de campagne visitée, euh, même le jour de l'inauguration. Là, avec le 49-3, ça a été à nouveau le cas. Et puis, euh, il y a. Des candidats qui sont la République en marche, mais, mais qui disent ben, j'y vais, j'y vais avec cette étiquette et je me sacrifie presque. Hein, un. C'est une manière, je, je, les, je les ai appelés les candidats sacrificiels parce qu'ils savent que oui, euh, dans des territoires où il y a très, très peu de chance, où les gilets jaunes ont été très forts, où il euh, y a eu beaucoup de manifs pour, pour euh, les, les réformes des retraites, ça va être très, très compliqué pour eux et ils sont là vraiment pour euh, presque de la figuration. Une réaction, Jacques Lévy vous êtes géographe et vous allez nous accompagner pour évoquer justement la manière dont les municipales se déroulent durant ce Tour de France que l'on va faire ce matin. Oui, ce, que, ce qui est décrit là n'est pas complètement nouveau, en particulier quand les municipales se, se trouvent dans... Dans un moment de mi-mandat euh, présidentiel et législatif, euh, euh, la tentation euh, que le parti euh, au pouvoir donc ne, ne soit pas euh, euh, très populaire, elle est, elle, est, elle est classique. Là, ce qui est nouveau, c'est que tous les autres partis aussi euh, sont en difficulté et que, et que un, un candidat à l'élection municipale, il trouve plus habile euh, de ne pas se réclamer euh, d'un parti national, mais je pense aussi que mon parti, c'est la ville. Ça correspond euh, à quelque chose euh, euh, qui peut paraître absurde, parce que si tout le monde a le parti de la ville, il n'y a plus de compétition politique. Mais en fait, euh, c'est l'idée que il peut y avoir des découpages politiques propres à la société locale qui ne correspondent pas exactement aux découpages nationaux, tout simplement parce que euh, la société n'est pas la même et les enjeux politiques euh, ne sont pas les mêmes. Donc euh, ça ne serait pas choquant qu'il y ait, comme dans un certain nombre de pays, plutôt sur le continent américain d'ailleurs, parce qu'en en Europe, le poids des partis nationaux est, est, plus, est plus fort, euh, qu'il y ait des partis municipaux correspondant à une ville et à une élection. En tout cas, Sandrine Morin, on n'assiste pas du tout au retour de ce qu'on a appelé le, le vieux monde, c'est-à-dire le monde des partis dans ce que vous observez au cours de cette campagne pour l'élection municipale. Non, mais pas du tout, c'est-à-dire que vraiment, sur les affiches, c'est gommé. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que nous, en tant qu'observateurs, on a du mal à avoir, je ne sais pas, le sujet qui fait monter, ou, ou vraiment, parce que finalement, il est vraiment propre à chaque ville, j'allais dire même à chaque quartier. Donc finalement, c'est vraiment une élection municipale à proprement dit, c'est-à-dire sans grande thématique qui. qui euh, qui, qui est là est Ce sont, on discute du trottoir, on discute de la salle qu'il faut construire ou pas. Vraiment, euh, on, on, les parties sont totalement effacées pendant pendant cette campagne. Avec des problématiques très locales, dites-vous. Merci Sandrine Morin. Je rappelle que vous couvrez le Tarn et l'Aveyron et merci à France Bleu Occitanie qui nous a permis d'assurer la liaison. Bonjour Stéphane Barberot. Bonjour, vous êtes journaliste à France Bleu Nord, à Lille. Vous qu'observez-vous avec la nouvelle candidature de Martine Aubry à Lille Martine Aubry, qui a 69 ans, en effet, qui est maire depuis 2001, qui avait dit qu'elle s'arrêterait là en 2020, et puis la situation qu'elle juge exceptionnelle avec l'élection d'Emmanuel Macron, avec un certain nombre de réformes sociales qu'elle juge totalement inégalitaire. Eh bien, l'obligerait, ce sont ses termes, à, à, à en gros jouer un, un rôle de paroi politique, de paroi politique, de paroi sociale face à Emmanuel Macron. D'où la justification de cette quatrième candidature. Il faut aussi relativiser forcément ces justifications par le fait qu'elle a eu bien du mal à préparer une succession, Martine Aubry, et qu'en effet, aujourd'hui, si le PS veut garder son beffroi lillois, elle était la seule en capacité de le faire. Et les sondages qui sont publiés jusque-là la donnent en effet pour l'instant gagnante. Mais alors, est-ce que l'étiquette partisane, parce qu'on vient de voir. Oui. Avec France Bleue Occitanique, celle-ci se cachait plutôt. Est-ce que là, à Lille, non. on revendique son étiquette C'est difficile de, de se cacher à Lille. D'abord, euh, par des personnalités qui sont fortes. Martine Aubry, elle n'est pas du genre à cacher son étiquette socialiste. Et il y a face à elle son ancienne directrice de cabinet qui est passée à la République En Marche, Violette spielboot Elle aussi ne cache pas son étiquette, même si à un moment, elle a dit qu'elle n'était pas euh, forcément macroniste. Et puis, elle est revenue un petit peu euh, là-dessus. Ah, il y a aussi une... le. La Public La... en marche non macroniste. C'est ça. Mais elle, a, elle a mis un peu d'eau dans son vin parce qu'elle a bien compris que ça pouvait un peu crisper le parti présidentiel. Il y a quand même Gérald Darmanin qui est pas très loin de Lille ici et qui était quand même un des poids lourds du gouvernement. Et puis euh, il y a aussi Marc Philippe Daubresse, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Euh, Les Républicains, lui aussi difficile évidemment de cacher son étiquette. Et puis Europe Écologie des Verts. Mais ça c'est à peu près partout pareil en France. C'est sans doute le parti qui revendique le plus hein, son étiquette parce que bah, c'est vrai que ce sont des thèmes porteurs l'écologie, l'environnement. Donc euh, C'est euh, à l'inverse un étendard qu'on porte très haut dans le ciel quand on est à Europe Écologie Les Verts. Quels sont les thèmes qui ont dominé la campagne Stéphane Barbeau alors avant tout, c'est justement l'écologie, l'environnement, tous les principaux candidats le mettent en avant, même ceux qu'on n'attendrait peut-être pas forcément sur ce terrain, notamment la droite. L'environnement en une des tracts de l'île, tout simplement parce que c'est l'une des villes les plus polluées de France. Une quarantaine de jours de pic de pollution l'année passée, pollution particules fine, près de 70 jours en 2018. La mauvaise qualité de l'air, elle serait responsable de 1700 morts prématurées par an dans la métropole, selon une étude de santé publique France. C'est aussi une, une ville très embouteillée, souvent plus d'une centaine de kilomètres de bouchons le matin dans la métropole Lilloise, qui est la quatrième plus importante en France, 1,2 million habitants. C'est aussi la ville la plus minérale de France, il faut le savoir, 14 mètres carrés d'espace vert par habitant. Il y a une raison, l'histoire, le patrimoine. C'est une ville flamande avec comme symbole les pavés. Et il y a aussi une très grande densité de population. Donc tous les candidats rivalisent de coulées vertes à créer, de miroirs d'eau, de fontaines à construire, de forêts urbaines pour rafraîchir les Lillois en cas de canicule, notamment, et pour leur donner plus globalement un petit peu plus d'air au quotidien. Je vois Jacques Lévy, le géographe qui est à côté de moi, qui opine du chef. Une réaction, Jacques Lévy. Oui, je pense, je pense qu'en fait, euh, on est dans une situation paradoxale en ce sens que euh, la petite révolution qui a eu lieu à l'échelle nationale euh, avec l'élection euh, d'Emmanuel Macron, en fait, elle s'était déjà produite avant dans les grandes villes. Euh, le, le fait de changer de thématique, que ce soit euh, surtout l'environnement, la mobilité, euh, la mixité sociale, l'urbanisme, qui soient centraux, euh, des thèmes centraux euh, dans l'action euh, municipale, euh, c'est quelque chose qui s'est mis en place euh, depuis en fait une vingtaine d'années. Ça a peut-être commencé à Grenoble dans les années euh, 70, 60 même, on pourrait dire. Et, euh, et ça s'est étendu dans toutes les grandes villes, ce qui fait que euh, les thèmes classiques euh, qui opposaient euh, la gauche et la droite avec plus d'État-providence ou plus de soutien aux entreprises, c'est quelque chose qui est dépassé depuis assez longtemps. Et les, les maires des grandes villes se ressemblent, en fait, quelle que soit leur apparente étiquette politique, hein, que ce soit euh, Bordeaux, Lille, euh, alors Marseille est peut-être un peu à part, mais Paris depuis euh, 2001. Donc, en fait, le paradoxe, c'est que. Euh, malgré ce qui devrait servir euh, finalement à Emmanuel Macron, à la majorité, le fait que c'est plutôt le clivage progressiste-réactionnaire qui, qui s'impose depuis longtemps dans les villes, comme euh, La République En Marche n'a pas été au rendez-vous de ce point de vue-là de, de, des enjeux locaux, que, que Emmanuel Macron a un peu raté son entrée dans les enjeux locaux, du coup, euh, le paradoxe c'est que son parti est plutôt en difficulté alors qu'il devrait, euh, on pourrait l'imaginer, être sur une autoroute, sur un boulevard. Stéphane Barbero, d'autres thèmes qui seraient dans la campagne, par exemple la sécurité, qui, je crois, est un thème important à Lille notamment. Oui, la sécurité, c'est vrai que c'était un thème qui est très discuté. Il y a notamment des quartiers populaires, quartiers périphériques de Lille où le trafic de drogue est très important. Personne ne s'en cache, tout simplement parce que Lille n'est pas loin de la frontière, frontière belge, qui est souvent un lieu de dépôt du trafic de drogue qui part de Rotterdam aux Pays-Bas et ensuite depuis Lille et eh bien on peut on emploie le terme de plaque tournante même si c'est un peu mm -hmm. euh, un peu forcé ce, ce terme mais il peut franchement s'appliquer ici à la région euh, parce que après ce trafic peut aller jusqu'à la région parisienne euh, des trafiquants qui sont très très organisés et du coup la mère sortante qui euh, n'a jamais forcément affiché euh, qu'elle installait des caméras de vidéosurveillance mais maintenant elle le dit un petit peu plus euh, clairement euh, elle évoque 5000 caméras aujourd'hui à l'échelle de la ville, en comptant celles qui sont dans tous les bus, dans mmh. tous les métros, dans tous les tramways, en comptant également celles qu'elle a fait installer dans les halls d'immeubles des bailleurs HLM et évidemment ses opposants de La République En Marche. Et de droite veulent aller encore plus loin en installant systématiquement des caméras dans les, vues, en dans les rues en armant aussi la police municipale. Et alors, est-ce que le coronavirus change quelque chose Parce que là aussi, on, on se demande, c'est quelque chose qui sature en ce moment l'actualité. Est-ce que vous voyez un impact de cette épidémie ou de cette crainte d'épidémie sur la manière dont se déroulent les municipales Stéphane Barbero Écoutez, j'étais hier matin sur le marché de Wazem, marché très populaire, le plus grand marché sur l'île le dimanche matin. Il y avait de nombreux candidats, dont Martine Aubry, mis à part vous dire qu'elle ne serrait pas les mains, mais qu'elle mettait des, vous savez, des coups de coude à l'envers ah oui, aux nombreuses personnes qui la saluaient et qui lui réclamaient des, euh, des selfies. Euh, mis à part aussi que la candidate de La République En Marche avait à peu près une technique presque similaire. Tous <laughs> me disent que pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. En revanche, ils s'interrogent sur les conséquences que ça pourrait avoir dimanche sur... Peut-être un peu plus d'abstention de la part de la population âgée, par exemple, qui est une population en général plus favorable au vote Macron, ou au vote de droite notamment. Merci beaucoup Stéphane Barbereau. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Bleu Nord à Lille. Les grandes villes et le coronavirus, Jacques Lévy Elles sont plutôt épargnées, euh, bizarrement, alors qu'on pourrait penser qu'avec euh, toutes les interactions dans les transports publics, dans l'espace public, euh, il y ait plus de cas proportionnellement à la population. En fait, il y en a beaucoup moins dans le cas de, On le voit très bien dans le cas de la Corée du Sud où, où Séoul qui représente la moitié de la population de la Corée du Sud a très peu de cas. On le voit en Italie où, où Milan, oui, est étonnant et Milan, la Lombardie est très touchée, mais Milan même est relativement peu touché. On le voit aussi en France où les grands foyers ne sont pas dans les plus grandes villes. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Je ne sais pas. Le géographe n'a pas d'explication. Voilà, il faudrait peut-être poser la question à des épidémiologues. On va continuer en tout cas ce tour de France des municipales avec vous, Jacques Lévy, et puis avec les autres France Bleues. On va continuer de voir quel est l'impact de ces élections, la manière dont le côté partisan des choses, est-ce que les étiquettes partisanes se rangent maintenant au fond de la poche Pour faire campagne, on en parle dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h-9h, les Matins de France Culture, Guillaume Erner. À quelques jours du début de l'élection municipale, les Matins font un tour de France des enjeux locaux qui marquent la campagne de ces élections. Nous sommes en compagnie du géographe Jacques Lévy. Une réaction à ce que mon camarade Frédéric Seize vient de dire sur l'insécurité dans la campagne et plus précisément à gauche. Oui, c'est toujours intéressant de, de voir quels sont les sujets qui ne clivent plus en fait, c'est aussi intéressant que de voir ce qui clive. Il faut, faut avoir, prendre le temps de, de ce recul. Et effectivement, je pense que les arbres, les caméras de vidéosurveillance, et peut-être euh, la citoyenneté, le fait que, que aujourd'hui la démocratie interactive devienne de importante, ce sont, ce sont des, des domaines qui deviennent consensuels, qui ne sont plus clivants. Et c'est justement peut-être aussi euh, à cause du fait que le clivage gauche-droite traditionnel a fait semblant pendant longtemps, de conserver en fait, des clivages qui n'en étaient plus que, euh, ce cliv que, ce, que le clivage gauche-droite lui-même est, est menacé. Donc, euh, en fait, je pense qu'il y a une demande de la société à ce que on parle des vrais enjeux et pas des faux enjeux qui, qui ont permis pendant euh, plusieurs dizaines d'années euh, euh, aux partis socialistes et aux avatars, disons, des républicains actuels, euh, de se partager le pouvoir en n'ayant pas forcément des politiques différentes euh, sur, sur, sur tout un tas de sujets. Donc, donc je pense que ça, ça fait partie en fait de de la dynamique et euh, c'est c'est peut-être euh, une chose à suivre dans les municipales, c'est de voir euh, inversement quels sont les nouveaux clivages euh, qui Mais vont apparaître. Justement, on l'entendait dans les détails. On parlait tout à l'heure à Lille, par exemple, et de la question de la vidéosurveillance. Frédéric Seils parlait de la question de la police municipale avec les écologistes. Donc, on a affaire à à l'intérieur de la question de la sécurité, de deux différences, de deux différents sur la question des manières de remédier à cette insécurité? Oui, je, je trouve justement que ces différences se sont atténuées. C'est ce que Frédéric Seix vient de nous dire. Euh, et que, que peut-être euh, les vrais enjeux sont ailleurs. Il y, y a quand même encore un enjeu avec la dépénalisation euh, des drogues. Hein. C'est-à-dire que la France est en retard de ce point de vue-là par rapport à, à plusieurs autres pays er européens ou, ou, ou américains. Et, euh, et je pense que là, il y a cette, euh, ce vieux clivage entre euh, euh, ceux qui... S'accroche à l'idée que les bonnes drogues, c'est-à-dire l'alcool euh, et le tabac, euh, doivent être distinguées des mauvaises drogues, même si les mauvaises drogues euh, euh, tuent moins et, et, euh, et que leur, leur pénalisation euh, euh, crée des problèmes à la fois de santé publique et de sécurité. Donc il donc y, y a toujours des clivages et c'est peut-être là que, que, que ça va venir. Hein. Donc y a une, il se passe quelque chose de ce point de vue-là avec l'expérimentation euh, du cannabis thérapeutique. Peut-être qu'on va avoir un mouvement du type euh, euh, PMA. GPA, c'est-à-dire où, où, où des opinions minoritaires prennent peu à peu de la légitimité et, et finalement s'imposent. Nous sommes en ligne avec Paul Ferrier. Bonjour, Paul Ferrier. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste pour France Bleu Gascogne à Dax. Vous couvrez le, le sud des Landes. Qu'observez-vous au cours de cette campagne des municipales, Paul? Ah, avec un thème qui s'est imposé euh, à, à Dax, ville moyenne d'un peu plus de 20 000 habitants, c'est le centre-ville. C'est le, le thème qui a été mis en tête de gondole par les, les deux candidats qui sont en, en lice, la, la maire sortante euh, d'hiver gauche, Elisabeth Bonjean, euh, qui a quitté son étiquette PS, d'ailleurs vous en parliez tout à l'heure, et, euh, et Julien Dubois, son opposant au conseil municipal, lui d'hiver droite. Euh, pourquoi le centre-ville s'est imposé euh, à, à Dax Parce qu'il y, y a une problématique et qui n'est pas d'ailleurs euh, uniquement euh, pour Dax, puisque ce sont ces, ces villes moyennes dont le centre-ville ville souffre avec un faux un de, de photo de, de vacances commerciales euh, en 2016 euh, dax faisait partie des villes dont dont le, le de vacances commerciales était un des plus forts en, en France avec un habitat au centre-ville qui, mmh. euh, qui se dégrade. Avec Dax qui était la première ville thermale de France il y a encore quelques années qui n'est oui. plus aujourd'hui. Et c'est important parce qu'un curiste, c'est environ 2000 euros de retombées pour la ville euh, quand, il, quand, quand il vient. Et puis, forcément, euh, un des problèmes qui se pose, c'est la concurrence entre le centre-ville et ses zones commerciales périphériques euh, qui se sont créées. Il y en a une énorme qui s'est créée à, à, à Dax en, 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 2015, qui a, en 2015, qui a doublé de surface en, en Pardon, qui s'est construit en 2004 et qui a doublé de surface en 2015. Donc voilà, c'est un enjeu qui s'est imposé avec ce centre-ville et notamment Dax qui fait partie des 211 villes françaises qui a signé une convention avec l'État, cette convention cœur de ville où l'État propose sur projet de pouvoir financer des éléments de rénovation de ce centre-ville. Et donc c'est autour de cette question-là que que les choses se cristallisent à Dax. Et oui, et avec la question de la mobilité, parce que bon, les centres-villes c'est une chose, mais bien souvent, ce qui pose problème, c'est leur accessibilité, Paul. Oui, parce qu'il y a la concurrence avec ces grandes zones commerciales où les parkings sont gratuits, où on y accède facilement. Il y a une rocade qui a été construite pour, pour y accéder. Et, et en face, se pose la question du stationnement, par exemple, à, à, à Dax, avec euh, une discorde entre les candidats sur le nombre de places gratuites et, et, et les nombre de places à, à, à faire payer. Il y a aussi les deux candidats qui proposent, et là c'est un sujet qui finalement va traverser mmh. à peu près toutes les thématiques de, ce, de, de ces campagnes municipales. Les deux candidats veulent des bus gratuits euh, à, à Dax pour pouvoir notamment amener les gens des quartiers extérieurs en direction du centre-ville euh, facilement et contourner ces problématiques de stationnement et bien sûr d'aborder ainsi euh, la question euh, en, en, environnementale. Et donc ça permet d'apporter quelques, quelques solutions. Il n'y a pas que ça d'ailleurs pour le centre-ville puisque il y a le stationnement, il y a les bus gratuits mais la maire euh, actuelle, Elisabeth Bonjean dit qu'on ne retrouvera pas les centres-villes d'il y, y a 30 ans euh, parce que les, les modes de consommation ont, ont changé, il y a cette concurrence des zones commerciales périphériques, mais il y a aussi... Euh euh, par exemple, le, la consommation sur Internet. Ce qui fait qu'il faut trouver d'autres solutions. Et l'un des grands projets, par exemple, à, à DAX, c'est la reconstruction des halles historiques avec euh, des thématiques à l'intérieur qui vont euh, parler aujourd'hui, comme le circuit court, le bio, les producteurs locaux. Et c'est peut-être ça qui va modifier la, la, le visage du, du, du centre-ville dans les, dans les années à venir. On voit en tout cas que les habitudes de consommation ont changé et que les villes doivent. Euh, et réussir à faire face à cette modification qui se fait bien souvent au détriment de ces centres-villes, Paul Ferrier. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de gens dans cette campagne qui expliquent que, par exemple, peut-être l'avenir des centres-villes, ça sera les commerces de bouche, de proximité, pour que les habitants puissent y retourner et vivre dans le centre-ville. Mais encore une fois, Dax est une ville qui a une population qui est vieillissante. Donc, il faut aussi réattirer des actifs dans ce centre-ville. Et là, ça passe, par exemple, par la réhabilitation des façades, de l'habitat qui devient compliqué. Donc, ça nécessite. Beaucoup de moyens. Alors, il y a un candidat, celui de l'opposition, qui veut tout refaire du sol au plafond euh, dans le centre-ville. Euh, la maire actuelle qui dit non, on va continuer les efforts qu'on qu a faits euh, qui a tout de même réussi à, à attirer euh, une grande enseigne euh, de. On, on, on va la citer, euh, la, la FNAC, et dans le centre-ville et au-dessus euh, des, euh, des, des Halles qui sont en, en, en construction. Et voilà, ce sont des, ce sont des, des, des combats pour essayer de, de ramener au centre-ville euh, ces problématiques-là, mais en même temps. Quand on voit dans les dernières années le nombre de mètres carrés de surface commerciale extérieures qui ont été construites, ça, 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 ça pose un problème. Et les deux candidats assurent et promettent euh, qu'il n'y aura plus d'autorisation d'extension de zones commerciales périphériques dans le mandat qui arrive. Mais si l'on regarde par exemple à, à Dax... Ils ont signé la Convention Cœur de Ville avec l'État donc pour des financements en 2018. Et en 2018, il y avait encore des autorisations d'extension des zones commerciales périphériques. Donc, il va falloir trouver cet équilibre-là pour pouvoir... Et c'est ce que cherchent les candidats pour pouvoir refaire vivre ces centres-villes de ces, de, de ces villes moyennes. Bon, alors ça, c'est une question qui parle évidemment aux géographes que vous êtes, Jacques Lévy. Oui, parce que je disais tout à l'heure que... Une des spécificités des élections locales, c'est que euh, les habitants ordinaires jouent un très grand rôle dans la construction de ce qu'est la société locale par leur choix. Euh, les pour, pour autant qu'ils aient des choix avec des contraintes, bien sûr, notamment financières ou autres, euh, les, les gens qui décident d'habiter dans une petite ville, ils n'ont pas les mêmes attentes que ceux qui décident d'habiter dans une grande ville. Et, et euh, on constate dans toutes les enquêtes que ceux qui habitent dans les villes petites ou moyennes, ils considèrent que, euh, par exemple, c'est inadmissible que le stationnement soit payant quand on va faire ses courses, c'est inadmissible de, de, de déposer sa voiture. À plus de 100 mètres de, de la boutique ou du, du magasin où on va faire son shopping. Donc, c'est assez logique dans ces, dans ces conditions qu'il euh, y ait une contradiction qui vient pas tellement de l'offre euh, de la part euh, des autorités ou de, du système économique mais, mais plutôt de la demande et donc c'est un peu illusoire de croire qu'en en, en ripollinant euh, les façades on va régler ce problème et s'ajoute une autre chose c'est le fait que, c'est un non-dit d'ailleurs de la campagne, le fait que les élections municipales en fait ne, ne traitent pas des bons espaces Puisqu'il euh, y a une fragmentation des communes en France et que euh, l'intercommunalité, jusqu'à un certain point, a créé un espace un peu plus proche de, de l'espace réel de, de vie des, des Français, mais qu'il n'y a pas d'élection démocratique de, de, de la direction de la présidence des conseils d'intercommunalité. Donc, en fait, on fait semblant de vivre dans l'ancien système où on élit des maires tout puissants, alors qu'en fait, ces maires ne le sont plus. Or, justement, dans ce, ce Type de, de petites villes ou de villes moyennes, souvent ce n'est pas l'ensemble de l'aire urbaine qui est en crise, c'est juste le centre et en partie par les choix des habitants. Donc euh, euh, l'enjeu, il me semble important, c'est qu'il euh, y ait un, un moment, un lieu où les citoyens puissent discuter de la stratégie d'ensemble de l'aire urbaine et pas seulement morceau par morceau. Paul Ferrier, une dernière chose sur le plan mmh. des étiquettes partisanes. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Est-ce que euh, là, les candidats brandissent leurs étiquettes <laughs> ou est-ce qu'au contraire, ils les cachent ah, bah ça, c'est caché, puisqu'on a eu la surprise euh, lors de l'annonce, par exemple, de la campagne de la mère sortante, lorsqu'elle s'est euh, déclarée de découvrir qu'elle avait euh, rendu sa carte du Parti Socialiste. Ah, bah ouais, euh, surprise. Elle, <laughs> on, on, elle nous a expliqué qu'elle l'avait fait il y a un an. Personne, aucun journaliste <laughs> local n'était au courant, et donc elle s'est annoncée comme quasiment une candidate de la société civile, alors qu'elle était socialiste depuis un quart de siècle. Euh, de la, de la, la même chose pour le, son. son son Opposant qui était un membre de Les Républicains il y a encore peu euh, et qui euh, là se déclare sans étiquette, mais a tout de même en deuxième sur sa liste une personne investie par la République en marche. Mais ils ne veulent absolument pas le dire, il n'y a aucun logo sur toutes, les, sur, sur toutes les affiches. Et effectivement, dès qu'on leur pose la question de, de, de l'étiquette, on sent qu'il y a une réaction épidermique en disant non, non, non on, on est sans étiquette. Et pourtant, on sent que les, les électeurs, eux, en ont besoin de ces étiquettes et continuent à réfléchir avec ça. Et notamment, ça se cristallise notamment euh, sur la République en marche par rapport aux, aux problématiques nationales. Et ben voilà, c'est une nouveauté, effectivement, dans cette campagne. Merci beaucoup, Paul Ferrier. Merci à France Bleu Gascogne. On va dans l'Hérault. Elisabeth Badinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à France Bleu Hérault. Alors, dans l'Hérault, on observe des alliances politiques qui ne sont pas des alliances politiques traditionnelle, notamment entre militants les républicains et le rassemblement national effectivement c'est une forme d'alliance qui se révèle sur plusieurs villes emblématiques du département sur le littoral et dans le sud du département. Il y a trois villes à prendre comme exemple tout d'abord sept sébastien Pacul il était jusque là adjoint au maire d'hiver droite et il va se présenter contre le maire sortant. Avec le soutien du Rassemblement national. Un choix qui a fait l'effet ici d'un petit séisme, car il n'était autre que l'ancien président des Républicains dans l'Hérault. Robert Menard est venu lui apporter son soutien. Robert Menard, maire de Béziers, hein, euh, est venu lui apporter son soutien lors d'un meeting en janvier. Marine Le Pen est venue en février. Et il faut savoir qu'à 7, le Rassemblement national fait déjà de très bons scores, mmh. 28% euh, au premier tour de la présidentielle, par exemple. Et certains créditent cette liste euh, de cool enfant du pays de plus de 25 des voix dimanche prochain, c'est donc un prétendant très sérieux à la mairie. Alors il y a un autre exemple dans l'Hérault, c'est la ville de Lunel à l'est de Montpellier. Mi-janvier, ce sont sept militants les républicains qui annoncent avec fracas qu'ils rejoignent la liste du rassemblement national. Cette alliance est initiée par un militant les républicains inconnu jusqu'alors, il s'appelle Clément Cerna, il a 27 ans et il se présente comme filioniste mais il se dit déçu par son parti dans cette ville mmh. où le maire sortant, il faut le savoir, est soutenu à la fois par les Républicains et la République en Mâche. Et pour cette élection, il va euh, d'ailleurs euh, revendiquer son appartenance aux Républicains. Il continue, hein, cet homme, de revendiquer son appartenance aux Républicains euh, malgré cette alliance avec le Front National. Et, Et puis ça... il y a une troisième ville. Oui, oui il y a une troisième ville, excusez-moi, Frontignan, 23 000 habitants, là aussi tout près de 7. C'est Gérard Pratot, qui est conseiller régional Rassemblement National, mm -hmm. qui se présente lui cette fois sans étiquette. Il a pris ses distances avec le parti. Le Rassemblement National était pourtant en tête à la présidentielle ou aux dernières européennes, mais lui ne veut pas l'étiquette car en fait il se revendique du modèle Robert Ménard à Béziers. Il veut une liste d'alliances pour en fait briser le, le plafond de verre. Eh oui, donc en fait, c'est vraiment une constante, dites-vous, Elisabeth Badinier. Mais alors, pourquoi observe-t-on cela particulièrement dans les roues Quelles sont les spécificités locales qui permettent d'expliquer que ce choix, cette configuration-là, soit aussi répandue dans la région que vous suivez? Ben en fait, l'Hérault c'est un peu un laboratoire de cette union des droites. Euh, il y a d'abord évidemment euh, la personnalité de Robert Ménard à Béziers, qui a été élu maire aux dernières mmh. municipales. Et lui, depuis euh, déjà plusieurs années, il défend cette union des droites. Alors, il a échoué à l'imposer euh, sur un plan purement idéologique. Son mouvement au stade droite pour créer cette vaste coalition des droites a fait chou blanc. Elle n'a attiré finalement que quelques intellectuels de second rang. Mais cette fois, il est en en train de l'imposer plus sur le plan électoral, mmh. c'est-à-dire qu'il attire à lui une partie des responsables de droite euh, là où la droite est en situation critique, comme à Sète ou à Frontignan. D'ailleurs, les deux têtes de liste de Sète et Frontignan désignent Robert Ménard comme un exemple à suivre, pour ne pas dire un, un vrai maître à penser. Et puis, il faut dire que l'Hérault c'est aussi un terrain fertile historiquement hein. dans le Languedoc. La droite républicaine a une expérience de coalition même officieuse avec l'extrême droite. Souvenez-vous des régionales de 98, le président de la région s'appelait Jacques Blanc et pour avoir une majorité à la région, il avait fait alliance officieusement avec l'extrême droite. Les villes où ces coalitions se montrent d'ailleurs au grand jour sont des villes où l'extrême droite est hégémonique depuis des années. Lunel, par exemple, les listes Front National au municipal dépassent les 30% et ça date pas d'hier, ça date largement des années 90. Ah oui, ça veut dire que c'est pas complètement nouveau à cet égard, Elisabeth Badinier. Mais non, effectivement, on en parle à Lunel, c'est pas totalement nouveau que cette euh, extrême droite prenne le dessus, mais n'avait pas réussi jusque-là à conquérir euh, les électeurs, car il y avait toujours eu une sorte de, de front républicain. Là aujourd'hui, on s'affiche bien plus ouvertement. Euh, les politologues disaient, euh, parlent souvent, font souvent référence ici à Jacques Chirac, qui a toujours considéré qu'il y avait cette ligne infranchissable mmh. qui sépare l'honneur de l'infamie, cette fameuse alliance avec l'extrême droite. Euh, la logique Jacques Chirac de cordon sanitaire a tenu pendant des années. Mais là, elle prend un sérieux coup de griffe. Euh, on, on, on le voit avec des alliances qui euh, sont maintenant carrément officielles, comme à Sète ou à Lunel. Euh, et puis, bon, ben, il y a aussi ce, ce poids de Robert Ménard qui, finalement, est en train de l'emporter sur le plan idéologique. Euh, cette stratégie euh, est portée par le Rassemblement National lui-même. On a eu Thierry Mariani qui est venu euh, soutenir les listes de, du Rassemblement National dans les Raux, à Sète et à Lunel. Euh, D'ailleurs... À Lunel, il décrit, Thierry Mariani, euh, que c'est un désert pour la droite, puisque les républicains en sont réduits à faire liste commune avec euh, La République En Marche. L'Hérault est un exemple de là où la droite, à force de, collab de collaborer, se, décompense, se décompose. C'est une, situa une situation pardon, de Thierry Mariani euh, lui-même lorsqu'il était en visite dans l'Hérault. Et puis de son côté, euh, bon, les républicains ils tentent de minimiser toutes ces alliances. Ils disent que ce sont des, des cas très isolés. Mais c'est vrai qu'il euh, reste plus grand-chose de cette digue entre la droite et l'extrême droite. Il n'y a plus que, que quelques pointillés. Euh, on sait aussi qu'elle s'est montrée déjà très affaiblie sur d'autres scrutins euh, au départemental quand il reste un candidat. D'extrême droite et un, un candidat euh, de la droite traditionnelle, la gauche joue le jeu hein, de, de cette alliance et de ce front républicain. Mais quand il s'agit euh, d'un candidat d'extrême droite et d'un candidat de gauche au second tour, ben, là, la droite, euh, elle regarde un petit peu du, du côté de l'extrême droite. Alors c'est vrai que ce moment, on peut le dire, hein, est historique pour la droite euh, dans l'Hérault. Euh, la République, les, les républicains disposent d'un certain nombre de communes importantes hein, dans, dans ce département, mais on sent clairement que le Rassemblement national n'est pas loin et les sortants vont manifestement ne pas devoir bouder complètement les accords avec le Rassemblement national s'ils veulent l'emporter. La tentation de l'extrême droite est immense, elle se joue. Maintenant au grand jour, non plus dans les secrets des partis comme il y a un peu plus de, de 20 ans dans la région. Mais oui, elle est complètement assumée, dites-vous. Merci beaucoup, Elisabeth Badinier, rédactrice en chef à France Bleu Héros. Une réaction rapide, Jacques Lévy. Oui, en effet, c'est pas nouveau et on pourrait élargir euh, l'espace concerné. Ça va en gros de Toulon à Perpignan et euh, c'est d'autant plus manifeste qu'on est dans des petites villes, euh, le fait est que là encore, euh, le choix des habitants joue un rôle, c'est-à-dire que les, les centres des petites villes ont été vidés de leur substance, ont été siphonnés par le fait que tant les anciens habitants que les, que les nouveaux ont préféré euh, habiter dans le périurbain et ensuite il y a ce qu'on appelle une métalepse une figure du discours où on inverse la cause et l'effet. Ensuite, ceux qui ont été les acteurs de ce siphonnage euh, des centres-villes euh, incriminent euh, d'autres euh, de leur propre action et, et disent qu'il n'y a plus que des pauvres et des étrangers euh, dans les centres et donc dans un contexte plutôt favorable pour d'autres raisons aussi euh, au Front National puis au Rassemblement national. Évidemment, c'est un, un élément euh, favorable à, à sa progression. Hein. Et donc on va voir si des villes comme Sète ou comme Arles, qui ont fait le choix euh, d'un développement culturel, euh, pour se rapprocher finalement de, de, de la ville qui s'en sort bien, de ce point de vue-là, qui est Montpellier, euh, est-ce que ça va marcher Ou, ou est-ce qu'au contraire, une partie des habitants du, du centre-ville euh, vont se révolter contre euh, euh, l'expansion du capital culturel euh, de ces villes Toute autre situation à Besançon. Bonjour David Mal. Bonjour Guillaume, bonjour à votre invité. Vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Besançon. Alors Besançon, c'est une ville... Test parce que la question c'est de savoir s'il s'agira de la prochaine ville écologiste, David. Oui, exactement. En tout cas, c'est ce qu'espère euh, le parti Europe Écologie Les Verts, hein, qui, ne, euh, qui déploie beaucoup d'efforts pour montrer que Besançon est une ville de plus de 100 000 habitants euh, que le parti Europe Écologie Les Verts a envie de ravir. Pourquoi Eh bien parce que jusque-là, Besançon, c'était une ville PS. Le maire sortant, Jean-Louis Fousseret, ne se représente pas. Il était socialiste. Il était socialiste jusqu'à la dernière présidentielle parce que à ce moment-là, Jean-Louis Fousseret a décidé de changer de parti et de devenir En Marche. Sa majorité a tenu bon, mais elle a été très très divisée. Et du coup, Anne Vigneault, qui est la candidate Europe Écologie Les Verts, a réussi à rassembler derrière elle le... PC, le Parti Génération, une association qui s'appelle À Gauche Citoyen et, et le PS. Du coup, eh bien, pour cette campagne des municipales, PS, PC, Génération, Europe Écologie Les Verts et À Gauche Citoyen font cause commune. Et dans un sondage de la mi-janvier pour France Bleu Besançon et l'Est Républicain, eh c'est elle, Anne Vignon, qui était elle, largement <laughs> en tête avec 34% des intentions de vote, 10 points de plus que le candidat de la République En Marche, Éric Alauzet, lui aussi membre de la majorité et lui aussi un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Alors on le voit Ici, à gauche, à Besançon, la situation est très compliquée, elle est aussi pour cela très passionnante. Il faut comprendre que la majorité qui avait tenu derrière Jean-Louis Fousseret est en train de se diviser pour cette élection et que Anne Vigneau eh est un élément très important pour les partis nationaux. La preuve, c'est que Julien Bayou, Olivier Faure, Pierre Laurent sont venus ici en meeting la semaine dernière et ont dit que Besançon était pour eux le laboratoire de la gauche du 21e siècle. Alors évidemment, tous ont fait référence à Victor Hugo, à Proudhon, à Fourier les penseurs du, euh, du 19e mmh. et parfois aussi du 20e. Euh, évidemment, la situation est très très importante aux yeux des partis nationaux, vous l'avez bien compris, pour, cette, pour ce cas d'une ville qui fait plus de 100 000 habitants et qui, comme Grenoble, pourrait devenir une ville écologiste. Et alors, est-ce que le thème de la sécurité, par exemple, dont on a beaucoup parlé au cours de cette matinale, est-ce que c'est un thème important à Besançon, David Ouais, c'était euh, peut-être pas le thème majeur mais pourtant il est devenu l'un des thèmes principaux euh, au début de cette campagne, c'était bien sûr euh, l'écologie, la transition écologique, on a beaucoup parlé de transport public euh, gratuit et puis à partir de Noël et de la Saint-Sylvestre, eh bien c'est la sécurité qui s'est imposée comme le thème phare dans cette campagne à Besançon. Pourquoi Parce que le quartier périphérique de Planoise, qui est un quartier qui regroupe environ 15 à 20 000 habitants qui est à l'extérieur de la ville, eh bien euh, vit depuis quelques mois euh, des, euh, une situation très très compliqué avec des coups de feu à répétition, un incendie du parking de la fourrière municipale euh, qui a complètement ravagé le supermarché qui était au dessus, des euh, habitants qui sont donc privés de supermarché, euh, planoise qui était bien connu comme un quartier sensible est devenu tout d'un coup un, un quartier ultra sensible. Preuve encore cette nuit, eh bien il y a eu un, un, un coup de feu et un homme est décédé dans un encore ce que le préfet du Doubs a dit ce matin sur France Bleu un règlement de compte entre bandes rivales sur fonds de trafic de drogue. Euh, planoise est un quartier de reconquête républicaine avec depuis quelques mois un nouveau commissariat avec 16 fonctionnaires de police supplémentaires mais ça ne suffit pas à enrayer la violence due au trafic de drogue dans ce quartier évidemment tous les regards sont tournés vers les autorités que fait la police nationale, que fait la police municipale Et le sujet qui s'est imposé, c'est donc l'armement de la police municipale. Anne Vigneault, elle, est farouchement contre. Ses opposants et une grande partie des, des huit autres candidats qui sont en cours dans cette élection municipale, eux, sont favorables à l'armement de la police municipale. C'est donc la sécurité qui s'est imposée, alors que personne n'imaginait que ce thème-là serait un thème majeur à Besançon. Voilà, et c'est. Aussi l'une des constantes de ce Tour de France. Merci beaucoup, David Mal. Vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Besançon. Jacques Lévy, un mot de conclusion. Oui, là, dans le cas de Besançon, mais c'est aussi euh, c'est similaire euh, à Strasbourg ou à Rouen. Euh, le parti écologiste tend à prendre la place laissée vide euh, par le PS. Hein. Donc ce n'est pas forcément le signe euh, euh, d'une victoire de la conscience écologique qui, qui, elle, a tendance à se diffuser de façon différenciée dans tous les partis, mais c'est plutôt euh, la question qui se pose d'ailleurs aussi en Allemagne, où l'effondrement du SPD euh, donne une chance euh, aux Verts comme parti de gouvernement. Donc on va voir si, euh, si les Verts sont capables euh, de fédérer euh, la gauche traditionnelle. D'une façon comparable, voire plus efficace que ce que faisait le PS dans les dernières années. On va voir ça effectivement, mais dans l'immédiat, on va voir la manière dont nos participants à la séquence TTC voient par exemple l'édification des masses. Hervé Gardette avec vous. Bonjour également à Mathilde Thierrel et à Aurélien Bélanger. Ça sera le thème de votre billet dans quelques instants, Hervé, l'édification des mmh. masses.